Spectateurs d'Ivoire TV Musique, bonjour et bienvenue dans Fafa, la seule émission en Côte d'Ivoire où on casse tous les papous, notamment ceux des invités et aussi ceux des animateurs. Eh bien oui, ici c'est comme ça. Nous avons un invité qui nous vient du Gabon. Il mousse en ce moment, il a repris une chanson de feu François Louga qui marche énormément. Et comme ça, nous avons décidé de le recevoir parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Nous recevons dans cette émission Arnold. Bonjour et bienvenue dans Fafa. Alors, Défalé, oui, je te laisse le soin de, comme on dit chez nous, hein, de demander les nouvelles à notre invité. En fait, c'est ça, parce que comme Arnold vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Il n'est pas ivoirien. Bon, il n'est pas ivoirien. Bon, normalement, on est censé le voir peut-être du côté du Gabon. Ouais. Mais tout d'un coup, soudain, brusquement, Arnold apparaît en Côte d'Ivoire. Alors, ouais. Arnold, que nous vaut l'honneur de cette visite? Alors, bonjour à tout le monde, à tous qui nous suivent, aux téléspectateurs de Fafa. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire de passage. D'accord. Je vais dire bonjour au peuple ivoirien, me présenter au peuple ivoirien, parce que cette année, je célèbre mes 30 ans de carrière. Wow. Et donc, j'avais à cœur de passer par ici, l'annoncer et me faire connaître davantage. Alors, mais Arnold, quand tu nous dis 30 ans de carrière, attends, c'est pas 30 jours, c'est pas 30 minutes, c'est pas 30 heures, on parle de 30 années de vie. C'est énorme. Mais hein. Comment se fait que tu démarres d'abord? Comment tu démarres d'abord ces 30 ans de carrière? Comment ça se fait? Bon, ben alors, je commence ma carrière solo. D'accord. En 1993, j'avais 18 ans. Ok. Et, mais avant, j'ai appartenu à des orchestres beaucoup plus jeunes, à des orchestres, des groupes, et notamment un groupe qu'on appelle les Enfants du Monde du Gabon. Ok. Oui, je me souviens. Ouais, les Enfants du Monde. Ah, d'accord. Tout le monde de ce groupe. Non, c'est un style des Oiseaux du Monde, les Côtes d'Ivoire. Mais moi, je me souviens très bien de ce groupe-là, les Enfants du Monde. Ils faisaient pas mal de choses bien aussi à l'époque. Voilà. Et nous sommes venus ici enregistrer le premier album au studio Nefertiti. Et j'ai chanté ici à la basilique Yamoussoukro, on a fait des spectacles. Ouais, on a tourné le premier clip à l'Hôtel Ivoire. Ouais. J'avais à l'époque, je pense, 14 ans ou 15 ans comme ça. Mm-hmm. Et on a fait la rencontre des Oiseaux du Monde de Côte d'Ivoire. Okay. Que nous, en retour, nous avons invité au Gabon à faire des spectacles à travers le Gabon. Donc c'est comme ça que j'ai eu un attachement avec la Côte d'Ivoire. Et donc ma carrière solo, c'est ça. C'est ça. Mais je débute ma carrière solo sérieusement en 1993 par mon premier album Chop. Et à mon actif, j'ai 5 albums, une trentaine de singles, une trentaine de vidéoclips, des spectacles à succès. Et, ben voilà. Et je suis ambassadeur UNESCO pour la paix. D'accord. Ah, ambassadeur UNESCO pour la paix. Alors, ce que moi je voulais savoir, c'est à l'état civil, Arnold, qui c'est? Ben, je m'appelle Ogula Arnold Jude Lévis, nationalité gabonaise, père d'un enfant, célibataire. Et, Tu es père d'un enfant, tu es célibataire. Celle que tu enceintes, elle est où? Elle s'est remariée. C'est un loup. Ça, là, c'est un béret qui est là, des fois. Ah non, les artistes, quand vous commencez à éclore, vous laissez vos goûts dégaler. J'espère que tu n'es pas dans le cas aussi. Non, c'est elle qui n'a pas supporté la vie d'artiste. Moi, je sais pas. Pourtant, elle a commencé avec moi. Hein. Voilà. J'ai commencé ma carrière, on était ensemble. Mais plus je prenais du succès, elle ne supportait plus de la pression du succès. Ah, d'accord. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que tu es un homme à femme? Oui, mais certainement. Mais non, pas comme ça. Il ne faut pas dire comme ça. Non, parce que je suis un homme aimé par les femmes. D'accord. Et donc, elle ne supportait même pas que quand elle allait voir un spectacle, elle m'accompagne, elle voulait être avec moi partout. Mais quand les fans approchaient, notamment les belles femmes, ça ne l'arrangeait pas. Quand on rentrait à la maison, c'était tout le temps des problèmes. Et je ne pouvais pas continuer de vivre comme ça. Et donc, ça, à un moment donné, ma vie... notre vie à deux, ça n'allait plus. Elle a décidé de partir. Okay. Et tu n'as pas cherché à la retenir un peu, non? Ou alors ça t'arrangeait parce que les femmes venaient vers toi, tu étais content? Non, j'ai essayé de la retenir. Hein. On a quand même fait 14 ans ensemble. Hein. Wow, quand même. J'ai essayé de la retenir, mais c'était peine perdue. Quoi. Elle ne voulait plus? Elle ne voulait plus. Entre-temps, tu l'avais déjà trompée ou pas? Ouais, mais peut-être que tu as monté aussi en ascendant. Aussi, parce que tu es un bel homme, hein, Arnold, il faut le dire. tu es bel homme, tu es bling bling, ça se voit que tu prends énormément soin de toi. Ouais. Donc, est-ce que tu n'as pas eu des aventures qui l'ont aussi découragé? Mais vous savez,
Non, je suis un être humain, hein, d'accord, il faut le dire. La chair est faible. J'ai certainement eu des aventures, mais tout en la respectant. Je l'ai jamais montré. Attends, tu as aventuré des femmes, tu trompes ta femme tout en la respectant. Arrête, oui, mais je l'ai jamais montré à tous soupçonner. Il fallait dire d'arrêter. Donc, attends, j'ai résumé encore, Donc, c'est dingue. Arnold, un jeune artiste, bien, il trompe sa femme, mais il n'a jamais montré. Donc, comme il cache, ça veut dire qu'il la respecte. Oui, parce que si je dis que je ne l'ai jamais trompé, on va dire que je suis un menteur, je suis un homme. Okay. Aucun homme sur terre qui n'a jamais trompé sa femme. Ça, non, il y en a, ça existe. Non. C'est faux, c'est faux. Je mets ma main au feu. C'est faux, non, moi je te dis. On est encore là. Non, il joue bien sur le jeu, tout simplement. Moi, j'ai arrêté ça. Non, enfin, je ne sais pas. J'ai dit, mais non, ouais. Encore là, tu as dit. Il joue tout simplement bien son jeu. Sur la tienne, mais la balle, tu as dit. Non, loin de moi cette idée. Ok. Mais ça, la vraie balle pète. Donc, en fait, excuse-moi, ça me fait un peu rigoler parce que quand tu dis que je la trompais tout en la respectant, quand on trompe sa femme, il n'y a pas de respect. Non, quand je dis je la trompais tout en la respectant, c'est qu'elle n'avait jamais rien su, d'accord? Elle soupçonnait, n'a jamais attrapé en flagrant délit. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est le respect. C'est le respect. Ouais, voilà. C'est ça. Parce que quand t'attrapes. Non, mais il y a des gens qui trompent, qui ont le deuxième bureau, troisième bureau ouvertement. La femme le sait et bon, elle vit avec ça tant bien que mal. Voilà. Et moi, je préfère être franc en disant que il vaut mieux quand tu as ta femme, si tu as une maîtresse dehors, qu'elle ne le sache pas. Hé, les hommes là sont pas bons. Mais Chola, par exemple, elle préfère savoir. À la voir. Oui, je préfère savoir si mon homme me trompe. Comme ça, si on a des problèmes, on les règle. Hein, voilà. De toute façon, la comme chair ça, ça peut te motiver à le tromper aussi facilement. Moi aussi, je peux être faible des fois. Et tout. Non. C'est pas bon pour les femmes. Vous voyez, les hommes, vous êtes des machos. Voilà. Tu vois, lui, il a trompé sa femme. Et à mon tour, oui, je peux tromper mon mari parce que la chair est faible. Tout comme lui, il peut me tromper parce que la chair est faible. Après, on s'assoit, on discute et on règle le problème. D'accord. Donc, après la faiblesse de vos chairs, vous en charriez encore. Exactement. Vous en charrissons. Et puis, vous en rechérissez. C'est vrai que des fois, quand ça arrive dans le couple, hein, que l'un découvre que l'autre l'a trompé, quand on se remet ensemble, ça devient plus fort. Ah, bah ouais. Exactement, je suis d'accord. Hein, parce que bon, on va pas trop parler. On peut pas se remettre ensemble, ça devient. Des fois, on fait quelque chose. Des fois, j'ai dit des fois. Moi, d'ailleurs, ça passera pas. C'est plus ça d'une fois. Moi, ça ne peut pas passer. Regarde comment il s'est désengagé. Les hommes, là, vous n'êtes pas vous, moi. Vous êtes possédé par le Cheikh. C'est bon pour nous, les hommes, pas pour les femmes. Interdit clair. Alors, Diou, dis-nous, mais comment se fait que tu es gabonais? On a vu une clip, tu chantes un répertoire de l'une de nos légendes, François Louga. Et tu dis Kouglizia. Et pas n'importe quel titre. Kouglizia. Est-ce que tu sais ce que c'est que Kouglizia? Ça veut dire l'oiseau de mauvais augure. Ah, entre autres, les sorciers, les bouillons. Voilà. Chez vous, comment on dit sorcier chez les Gabonais? Onyemba-Nyemba. Onyemba-Nyemba. Quelle horreur. Onyemba-Nyemba. Ça veut dire que le nom même là est Onyemba-Nyemba. Je connais quelqu'un qui est Onyemba-Nyemba. Désormais, encore du moins, c'est un peu les sorciers Nyeba. On connaît maintenant. Okay. Donc, Kouglizia, chez nous, comment te dire, c'est-à-dire que c'est un oiseau de mauvaise augure. C'est un oiseau de mauvaise augure. Et je pense que quand Louga a chanté cette chanson, ça n'a pas trop duré. Il a rendu l'âme. Hein. Ouais. Est-ce qu'on t'a informé du fait que tu t'attaques à une confrérie très dangereuse? Les Kouglizia, les papagnons, les baïfouets. Est-ce que tu sais? Et puis les, comment on dit là, en gabonais, les Onyemba-Nyemba. Tu t'attaques aux Onyemba-Nyemba. Chez nous, on ne s'attaque pas à eux. On les laisse là où ils sont. Et on les salue en passant. Voilà, on leur fait même des coucous. Hein. Et toi, tu viens du Gabon, tu interprètes une chanson de François Louga, Kouglizia, où il parle des sorciers, des oiseaux de mauvaise augure. Est-ce qu'on t'a bien expliqué? Oui, on m'a expliqué. D'accord. Mais moi, je n'interprète pas particulièrement pour le message, c'est l'impact que cette chanson a eu dans ma vie. Vous savez, François Louga, moi, je l'ai vu pour la première fois, j'avais, je pense, 7 ans, 8 ans. D'accord. Il était venu au Gabon, à cette époque, au Gabon, le Gabon avait organisé une sorte de festival qu'on appelait Africa Vision, et chaque pays était représenté par une star. Africa Vision. Voilà. Et la Côte d'Ivoire était représentée par François Louga. Et moi, j'étais tout petit, parce que moi, j'aime la musique depuis mon enfance. Moi, je dis que je suis né pour chanter. Et à 7 ans, je vois un homme à la télévision, avec des cheveux gominolés, tout vêtu de blanc, un costume blanc, qui vient, voilà, beaucoup de gel dans ses cheveux, qui chante à gorge déployée, Kouglizia, en live. Ça m'a impacté. Ça t'a marqué. Ça m'a marqué. Et toute ma vie, j'ai chanté cette chanson. Est-ce que tu peux l'interpréter là maintenant? Ouais, tout de suite, avec plaisir. Waouh, Kouglizia. Waouh, Kouglizia.
Je pense qu'on va attaquer le vif du sujet. Mais Paul est très chrétien, ici, donc lui, les Kouglizia, il n'en a pas peur. Hein. Non, ça mais c'est pourquoi moi, parce que je suis très chrétien et je n'ai pas peur des sorciers. Non, c'est bon, on va pas je suis couvert par le sang de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, couvre ton sang, n'a qu'à nous couvrir, nous tous. Hein. C'est des agréments. Mais ce n'est pas l'exception. Alors, Choula, on va attaquer le vif du sujet. Bon, alors, Jude, on a appris récemment que tu es en Côte d'Ivoire pour quelque chose de très spécifique. À ce qui paraît, tu as fait arrêter le manager, le célèbre manager Yves Roland Didier, le père de l'enfant de Rocky Gold. Qu'est-ce qui t'a merci fait? Merci pour la précision, Tefa. Ah, vous êtes au courant? Yé, qu'est-ce que nous échappe? Ici, là, c'est fa, hein? Ici, là, c'est fa, la seule émission où on casse tous les papos sans état d'âme. Nous, même, on n'avait pas état d'âme pour dire comment c'est. Oui, attends, il y a des prendre encore. Oui, je suis là, il faut rebouler encore. Bon, d'accord. Il faut rembobiner. Ouais. Review. D'accord. Donc, Arnold. On a été informé du fait que là même avant de venir à Farafara, tu étais dans les locaux de la gendarmerie de la Star 9B à Angré. Je me trompe? Non, c'est pas faux. J'ai été appelé depuis la gendarmerie. Est-ce que tu sais ça? Ah bon? Aïe, c'est moi chaud là. J'ai dépalé. Nous, on ne joue pas le travail. Béret, ça nous connaît. C'est comme ça, nous aussi, on connaît le Béret. Voilà. Donc, depuis la gendarmerie, on nous a informé qu'on doit enregistrer un Farafara avec un artiste gabonais du nom de Arnold. Jude. Voilà. Je dis effectivement. Tu aurais fait arrêter. Voilà ce qui s'est passé. Tu as un ami qu'on connaît très bien ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle Guillaume Mourou. Moi, bébé Guillaume. Ça va la guisaille. Hein? Ok. Donc, Guillaume que je connais bien, hein, qui est mon bébé. Donc, c'est ton ami et frère. Hein. Apparemment, vous vous entendez très bien, tu es en contact avec lui. Donc, tu lui as dit que tu voulais faire ta promo en Côte d'Ivoire quand tu as sorti Kouglizia. Et Guillaume t'aurait dirigé vers Yves Roland DJ qui a travaillé avec Feu DJ Arafat en son temps, qui est aussi l'ex petit ami d'une chanteuse ivoirienne qu'on appelle Rocky Gold, le père de son fils justement parce qu'ils sont plus ensemble, et tu lui as remis la somme de 1 million de francs CFA pour qu'il vienne justement dans les locaux d'Ivoire TV faire ta promo. Tu as donné l'argent, tu as tout payé, et à ta grande surprise, rien n'a été fait. Qu'en est-il exactement, Arnold, vu que tu es là, dans notre fauteuil jaune? On veut savoir. Le fauteuil bonnetique. A-t-il volé ton argent, Yves Roland Didier, oui ou non? Non, bon, là, j'ai bien résumé, des fois. Tu as presque bien résumé. Maintenant, à la fin, tu dis, est-ce qu'il t'a escroqué? Non, escroqué, là, c'est trop, tu as enjolivé. Il a volé ton argent, oui ou non? Ah, ok. Ah, mais c'est du vol, c'est de l'abus de confiance. Et c'est pénal. Hein. Tout à fait. Ah ben voilà. Bon, maintenant que l'affaire est dehors, je ne veux rien faire. Moi, je ne savais pas que vous étiez au courant. En effet, je suis venu en Côte d'Ivoire pour faire la promo, faire un média tour de mon titre Kouglizia 2.0, la reprise de Feu François Louga, à l'occasion de la célébration de mes 30 ans de carrière. Et justement, j'ai été mis en contact avec ce monsieur par Guillaume Mourou, qui est un frère à moi, parce que vous savez qu'il est moitié gabonais, hein. Guillaume? Ah bon? Oui. Ah, ça va pas. Toi, la Gisaï, tu es. Ah oui, bon? Oui, il a un côté gabonais. Nous. Oui, oui. Donc, qui nous a mis en contact, sachant qu'il est professionnel et qu'il le fait apparemment régulièrement. Ouais. Et donc, comme vous l'avez dit, j'ai envoyé de l'argent. Et, combien? Ouais, 1 million. 1 million de francs CFA. Voilà qui est clair. Voilà, 1 million de francs CFA. Pour caler toutes les radios, les télés, pour toutes les possibilités, pour faire un bon médiateur, pour me faire connaître en Côte d'Ivoire. Avant ton arrivée. Avant mon arrivée et pendant mon séjour ici, à Abidjan. Malheureusement, je suis arrivé, on a fait une première émission, et puis après cette émission, plus rien. Silence radio. Alors que dans le média planning, c'était calé 15 émissions de radio et télé. Voilà. Et rien. Tu as su qu'il a calé ici, mais nous, on n'a rien reçu. Voilà. Un bon fin. Et donc... Je me suis bien rendu à l'compte, à l'évidence que rien n'avait été fait. Parce que je me suis levé, j'ai pris mon bâton de pèlerin, parce que moi, je suis un, chez nous, chez les Gabonais, on dit, je suis un falaman. Ça veut dire? Moi, je suis un chercheur. Ah, hein, un grouilleur. Voilà, un grouilleur. Yeah. Donc, je me suis dit, bon, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Hein. Je n'ai pas dépensé des billets d'avion parce que je venais avec mon équipe. Je n'ai pas dépensé tout ça, prendre un appartement, ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Bah ouais. Donc, je vais... Je me suis rendu ici, c'est ici qu'a tout déclenché, cette chaîne. Ivoire TV, mais ici, nous, c'est nous qui avons toujours la primeur des Bérets. Parce que j'étais censé... C'est la locomotive. Mon clip était censé passer
sur la chaîne. Mm-hmm. Et il m'avait envoyé un programme que je regarde la télévision. Je dis, mais ça passe pas. Je l'appelle, je dis, mais tu m'as donné des horaires, je vois pas le clip. Non, mais ça va passer. Ça passe pas. Moi, je dis, bon, écoute, je dis à mon assistant, géolocalise Ivoire TV et puis on part là-bas, on va voir ce que c'est. Bon, et c'est comme ça que tu viens en Côte d'Ivoire, tu arrives à Ivoire TV Musique. Non, ça, je découvre ça quand je suis ici en Côte d'Ivoire déjà. Hein. Okay. Ok. Donc, tu es déjà sur le terrain et tu découvres que, voilà, effectivement, tu ne passes pas. Les horaires que Yves Roland, JJ t'a donné, c'est pas exact. Voilà, c'est ça. Donc, tu arrives ici et qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres qui? Mais je rencontre Fatou. Fatou. Fatou, oui, voilà, Fatou. Donc je me renseigne, je dis, est-ce que mon clip est programmé ici et tout ça? Elle me dit non, on ne connaît pas. Je dis, voilà, moi je viens pour savoir et comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai payé moi-même pour faire passer ce qu'il fallait. Ah, tu as payé encore une fois. Voilà. Mmh. Vous m'avez surpris. Moi, je n'aurais pas voulu que ça se sache. Mmh. Parce que. Non, mais moi, je ne viens pas pour détruire la vie de quelqu'un. Hein. Non, tu n'es pas en train de détruire sa vie. Tu es en train d'expliquer ce qui s'est passé entre vous. Voilà, je ne voulais pas que les gens sachent. Bon, on espère que vous allez trouver une issue favorable. Oui, mais je pense que c'est un problème. Mais pour l'instant, il faut au moins, qu'on sache. Il va bien qu'il y ait que l'information parce soit. Parce que le Gabon et la Côte d'Ivoire, on est deux pays frères. Un Ivoirien ne peut pas se permettre de te faire un sale coup. Et puis, un Gabonais ne peut pas se permettre de faire un sale coup à un Ivoirien au Gabon. Donc, il faut qu'on en parle pour que ça ne se reproduise plus. Voilà. Donc, tu arrives à Ivoire TV, tu vois Fatou, tu payes encore une nouvelle grille de programme pour que tes clips passent. Ouais, tout à d'accord. Fait. Et qu'en est-il exactement de Yves Roland JJ? Est-ce que tu rentres en contact avec lui? Tu lui dis, écoute, j'ai découvert la supercherie, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je lui ai demandé de rembourser mon argent. Et il a dit quoi? Mais à toute évidence, il n'en a pas. Et un million. Ouais, pour le moment, il entend, je pense, trouver une solution pour, pour me les restituer. Et voilà, malheureusement, on est là, on en est là. Bah, on espère qu'il donc, y aura une pour l'instant, il t'a dit, enfin, je veux bien comprendre, hein. Quand tu l'as contacté, il t'a dit qu'il n'avait pas les 1 million pour te rembourser. Non, c'est-à-dire que je suis allé vers lui. Mm-hmm. Je suis allé vers lui et je lui ai dit rembourse-moi mes sous, puisque tu n'as pas fait le travail que tu devais faire. Exactement. Et il m'a demandé de patienter. Je lui ai dit non, je ne peux pas patienter parce que moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire et je suis venu pour une période bien précise. Je dois repartir parce que. J'ai un temps limité ici. Et le temps ne fait que passer. Moi, je dois faire mon médiatour, je dois faire ma promo. Et il faut que tu me rembourses. Ben, on a tourné, on a fait toute une journée comme ça, tourner. Et puis ben, lui-même, il m'a emmené à la gendarmerie. Lui-même. Ah, lui, il t'envoie à la gendarmerie. Oui, mais. Il a déposé plainte contre toi? Non, non. Mais il t'envoie là-bas pourquoi? Je ne sais fait. Pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais bon, en tout cas, je lui ai dit, parce qu'il voulait aller te chercher. De l'argent, je pense. Je lui ai dit, bon, laisse-moi un gage quand même, de telle sorte que tu puisses partir et que moi, j'ai au moins je sois rassuré. Ah, donc c'est dans cette optique qui t'emmène à la gendarmerie pour voilà. Moi, je sais pas quand prendre un engagement. Moi, quand je demande la voiture, je lui ai dit, moi, est-ce qu'on va? Il me dit, tu veux un gage? Non, fallait un gage. Après, j'arrive, je suis devant un bâtiment, je ne m'étais même pas rendu compte que c'était ça. Je suis dans la voiture avec mon équipe, mes gars, et puis il vient de dire, bon, venez. Quand on arrive, oh, c'est la gendarmerie. Waouh! Wow. Bon, donc on vous auditionne. Voilà. On nous auditionne. Et quand on nous auditionne, de toute évidence, moi j'ai toutes les preuves, j'ai les factures, j'ai les reconnaissances signées. Et, qu'est-ce que la gendarmerie dit? Mais là, vraiment, à ce niveau-là, je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau à la gendarmerie ivoirienne, parce qu'ils n'ont pas fait le parti pris. Hein. Mm-hmm. Ils ont agi en toute impartialité. Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Voilà. Et donc, ils ont rendu compte que j'ai été abusé. Oui. C'est un abus de confiance. Voilà. Et donc, il a été. Décidé quoi? Saisi. Donc, en ce moment, il est dans les geôles de la gendarmerie à la Star 9B. Ouais. Oh là là. Donc, ça veut dire qu'on lui a demandé de te rembourser. Tout à fait. Et s'il ne peut pas te rembourser, il sera déféré. Non, ce que je ne veux pas, d'ailleurs. Ce que moi, je ne veux pas. Oui, mais après, la loi, c'est la loi. Bah oui, la loi reste la loi. Et nul n'est au-dessus. Justement, c'est en cela qu'on m'a appelé pour me dire, écoute, ton évité de Fafa d'aujourd'hui, voilà la situation qui prévaut. Et Yves Roland JJ est entre nos mains. S'il ne rembourse pas, il sera déféré. Donc, il faut qu'on rappelle à nos auditeurs que ce n'est pas ce qu'on souhaite concernant Yves Roland JJ et qu'on souhaite qu'il y ait un dénouement, un bon dénouement suite à cette affaire. Suite à cette affaire, afin que chacun soit tranquille. Pour que lui reparte, qu'il fasse sa médiatour ici en Côte d'Ivoire, qu'il reparte tranquillement au Gabon, qu'il puisse revenir en Côte d'Ivoire et que Yves Roland JJ soit libéré. Voilà, donc si des gens peuvent notamment l'aider, si nous aussi à notre niveau on peut faire quelque chose, on va voir ce qu'on peut faire bien, pour essayer de trouver une solution. À te voir, hein, ton style vestimentaire montre diams, or, bijoux, toutes ces choses là, en fait, c'est assez bling et tout ça. Hein. Ouais. Et, mais comment, attends, est-ce que c'est la musique qui te permet de t'offrir tout ça?
Est-ce que la musique même ça paye bien déjà au Gabon? Est-ce que la musique te paye bien à part Chanel afin que tu puisses t'offrir ici, on connaît pas beaucoup de Gabonais tout ce luxe hein. Est-ce que tout ce luxe? Oui non mais franchement au Gabon c'est peut-être un petit pays, petite population, mais je peux dire que je compte parmi les privilégiés de la musique gabonaise. Ah. Donc, oui, je comprends. C'est qu'il a beaucoup d'argent, mais s'ils auront déjà plein de millions sur moi, tu n'as pas besoin de l'enfermer. Non, il dit, il compte parmi les privilégiés de la musique. Ça ne veut pas dire que je roule sur l'or. Non, mais ton privilège. Mais je suis à l'abri du besoin. Ton privilège dont tu parles. Tu jouis des faveurs de largesse de la famille Bongo? Il y a des, tout le monde parle de ça dans le pays pour dire non, que tu es vraiment un peu trop privilégié, justement. Non, quand je dis privilégié. Tu n'as pas une relation avec une amoureuse avec une Bongo, par exemple? Non, du tout. Quand non, je dis je suis privilégié, c'est-à-dire que je suis chanceux. D'accord? Ah, entendu privilégié. Les autres, non, les sont mal chanceux. Non, c'est non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que. Moi, j'ai eu la chance. Non, moi, j'ai eu la chance. Les autres sont mal chanceux. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Ne me pas dire, moi, j'ai les autres. Les autres sont poisseux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Nous sommes, je veux dire qu'il y a une catégorie d'artistes quand même qui ont vraiment, comme vous dites, grouillé, hein, sérieusement grouillé, et que ça a porté des fruits. Et à la longue, au bout de 30 ans de carrière, parce que moi j'ai fait une carrière bien remplie, hein, j'ai eu 30 ans bien remplie, j'ai fait que des hits dans mon pays. Mm-hmm. D'accord, j'ai fait des concerts à succès avec mon nom seul à l'affiche, avec des 10 000 personnes, des choses comme ça. Voilà, donc j'ai pu capitaliser. C'est vrai qu'on dit que la musique ne nourrit pas peut-être son nom au Gabon, mais je pense que quand un artiste se prend au sérieux, il sait investir ce qu'il gagne, le réinvestir, ben il peut vivre de manière décente et avoir de l'argent. Donc si je te suis bien, ça veut dire que toi, tu gagnes bien ta vie concernant la musique au Gabon, mais tu as su réinvestir ton argent. Oui. Et qu'est-ce que tu fais d'autre à part la musique? À part de la musique, je suis fonctionnaire, je faisais des affaires. Ah, tu es fonctionnaire. Ouais. Mais excuse-moi. Mais est-ce qu'il parle de tout le marché de la musique au Gabon, là, tout est dans ta main. Ah, c'est ça. Il paraît que tu es un poids lourd là-bas, tu es une sorte de gourou par qui tout passe. Non, c'est du grand n'importe quoi, ça. Je vais nous donner le vrai point. Non. Je fais ma part des choses. Quand on a besoin de moi, par exemple, pour organiser un événement. Mm-hmm. Mais il paraît qu'ils ont justement trop besoin de toi aussi. Tu es présent, tu es omniprésent un peu partout. Mais c'est parce que je fais du bon boulot. Mais je ne suis pas partout. C'est ce qui est clair, c'est que je ne suis pas partout. Mm-hmm. Quand on a besoin de moi et qu'on m'appelle, c'est parce que je joue d'une certaine expertise. Mm-hmm. D'accord? Et quand je viens, on me paye ce qu'on a à me payer. Mais quand on va me payer ce qu'on a à me payer, je pète un câble. Ah bon? Comme ça? Et ici, on ne pète pas câble. Ici, si tu as pété câble, tu seras fermé. Donc, je vais te donner un conseil. Bon, pétale de câble, si la pète câble. Il sait ce qu'on contribue. Pète câble, souvent, c'est ça, il dit là, c'est au Gabon. Ici, là, ça m'étonne. Non, mais. Tu connais tes frères ivoiriens. Ici, on ne pète pas câble. Dès que tu viens, on a vu Francky DiCaprio. Hein. Enfin, bref. Donc, ce que je voulais dire. Quand tu câbles, tu as fait quoi, on a assis là? Non, comme il faisait gobo dans le dos de Fimé Nanga, et puis Fimé Nanga l'a fermé, et puis il n'a plus décollé, il a couru jusqu'à la plus balle perdue là. C'est de ça que je voulais parler, c'est un exemple parmi tant d'autres, non, sinon il y en a beaucoup. Non, mais il a telle patience d'abannir sa maman. Mais bien sûr. Sa mère, ça, première dame. Que j'ai, du Gabon. Du Gabon. Ouais. On va en venir. Que lui mange à la table des rois. On va en venir. Et tu pleures pour un million? Non, arrête-moi ça. Non, je ne pleure pas pour un million. Pourquoi il dit au Roland Djédé encore à la gendarmerie, il faut laisser ça faire un million, pour toi c'est rien? Non, je ne pleure pas pour un million. Je pleure même pas, c'est le principe. Le manque de respect. Le manque de respect. Quand on vous donne une tâche, vous paye pour une tâche, mm-hmm. il faut la faire. Et notamment pour un étranger qui part de son pays pour venir se faire connaître ici, il a investi des choses pour cela. Donc c'est vraiment mal. Même si c'était 100 francs, même si c'était 10 000 francs, j'aurais fait la même chose. En fait, toi, c'est la façon dont il a procédé. Voilà, le manque de respect qu'il a eu vis-à-vis de ta personne, voilà. C'est ça qui t'a fait mal. Exactement. Sinon, c'est pas le million en lui-même. C'est pas l'argent. Donc, on peut trouver une solution, non? Non, il y aura une solution. Oui, on peut trouver une solution. Bien sûr, il y aura une solution. Je suis convaincu qu'il y aura une solution. Tu as quelqu'un dans ta vie? Oui, bien sûr. Elle est où? Elle est au Gabon. Pourquoi? Mais je l'emmène au travail? Non. Tu viens définitivement en Côte d'Ivoire. Tu m'arrêtes ça. C'est quoi? Ton genre, là, c'est ce que nous, on aime ici. On t'a pas dit ça? Ah bon, je suis bon pain. Hein. Bon, les défaleux. Ah, c'est un pain croustillant. En fait, il est bien rentré dans le game. Oui, le gars, il est bien colonisé. C'est quoi ton type de femme? Je les aime skinny. Skinny, ouais, d'accord. Skinny. Donc, skinny. Pas les yeux les os. Hein. Toi, tu es un bon genre. Le genre qu'on aime. Voilà. On se voit après l'émission. Tout à fait. Déjà, Chola, toi, on va te renvoyer d'ici. Comme tu es venu prendre nos invités. Il fallait ton cœur noir. Hein? Non, mon cœur n'est pas noir. Tu es l'appel invité, tu n'as que problème.
Donc, voilà. Alors, tu veux poser une question? Ouais, après, bon, au jour d'aujourd'hui, on va dire, là, tu es venu pour l'album, pour lancer le single Kouklizia. Oui. Et quelles sont les activités au-delà de la musique que tu mènes véritablement au quotidien au niveau du Gabon? Mais je disais que je suis dans l'administration gabonaise. D'accord. J'ai un poste là, l'administration gabonaise, mm-hmm. et je fais des affaires. Ouais. Tu as dit aussi que tu étais dans l'événementiel aussi. Que tu oui, je suis dans l'événementiel parce que je suis producteur de spectacle. Producteur de spectacle, voilà. D'accord. Donc, si on veut bien suivre les paroles de Arnold, hein, c'est-à-dire que financièrement, ça va, il s'en sort bien au Gabon. Oui, je ne roule pas sur l'or, mais je suis à l'abri de besoins. Ah ouais. Grâce à qui? Je mange à ma faim, c'est ce que je peux dire. Et c'est grâce à ta musique, à tes spectacles, à ma musique, et tout ça? À tous mes revenus. Ah. Voilà, à toutes mes sources de revenus. D'accord. Je fais de la musique, mais la musique paie en grande partie ma vie. Hein. Et le fait que je sois fonctionnaire, j'ai un salaire tous les mois, ça me permet de mieux m'organiser aussi. Mm-hmm. Et puis j'ai mes business, et puis voilà. D'accord. Ah, c'est top. En tout cas, nous, on a vraiment pris un réel plaisir à te recevoir. Bien sûr. Et puis on espère que cette histoire avec Yves Roland DJ va trouver une issue favorable. Ah, wow. Et qu'il pourra sortir de là, parce que bon, c'est pas très intéressant aussi pour quelqu'un qui est dans le showbiz. Il a travaillé avec DJ Arafat, hein, un peu âme. Donc pour 1 million, se retrouver quand même à la MAC, moi je trouve que c'est petit. Donc on va essayer de faire le nécessaire et puis voir à notre niveau comment les DG, Monsieur Zoumana Bakayoko et son épouse Mona Bak peuvent intervenir pour que voilà, on trouve une issue favorable à cette histoire. Moi, je voudrais dire ceci pour clore sur ce propos, que l'intention pour moi, je suis venu pour faire ma musique, me faire connaître. Mm-hmm. Nul n'était pour moi l'intention d'amener Yves Didier Laurent à la gendarmerie. C'est lui-même qui a c'est lui qui est parti à la gendarmerie. C'est lui-même qui m'a amené là-bas. Ouais, ouais. Voilà. Et que et d'en parler même, là vous me surprenez, mais puisque nous sommes devant les caméras, je suis obligé de le faire, de répondre. Mm-hmm. Sinon, je serai un faux fuyant. Mm-hmm. Et j'assume les actes que je pose. Voilà. Mais seulement, je tiens à lui dire, à lui, Yves Roland Didier, que mon frère, j'ai pas de problème avec toi, tu n'as pas été correct. Malheureusement, l'information a fuité. Il fallait que je réponde. Mmh. Et quel est l'artiste avec lequel, l'artiste ivoirien avec lequel tu aimerais bien faire un featuring? J'ai deux artistes avec qui j'aimerais faire un featuring. José. D'accord. Et Chilo, le chanteur. Ah d'accord, ok, Chilo. Ok. José, tu connais son histoire avec Sérédier? Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses? Mais l'amour... tu cautionnes ça, toi? Je, il a laissé sa goût de galère. Non, je cautionne pas, mais si c'est arrivé, c'est qu'il s'aimait. Et puis mais Drouba aussi. C'est que ça devait arriver. Drouba a fait aussi. Moi aussi, bientôt, bébé, je vais te laisser. Ce qui doit être sera. Et voilà. On ne peut pas empêcher l'amour de se manifester. Donc c'est bien, tu vas laisser ta femme gabonaise pour me prendre, et puis bon, on n'en parlera plus. Hein, voilà. Tu peux pas au Gabon? Tu peux la supporter. Qui? Ma femme là. Elle sera. Mais c'est vrai que chez nous, au Côte d'Ivoire, t'as pas poteau. Hein. Elle va reculer. C'est même pas la peine, dis-lui au revoir, bye bye, définitivement. Alors, dis-nous, Jude, parlons de femmes, quels sont tes rapports avec les artistes féminines gabonaises telles que Créole? Tu as déjà sorti avec d'autres? Tu as déjà sorti avec une d'entre elles ou vous avez déjà une aventure? Chanel, par exemple? Chanel? Ouais, non, c'est des petites sœurs, oh, c'est des enfants là. Mais les petites sœurs, mais les grandes sœurs. Elles grandissent, elles sont les grands frères. Hey. En toute honnêteté, c'est des petites sœurs. Hein. Chanel, je l'ai vu grandir, comme Créole d'ailleurs. Mm-hmm. Comme moi, j'organisais mes concerts de Noël, parce que je faisais un concert qu'on appelle Gabon Noël Show, okay. Au Gabon, qui va à la 10e édition. Chacun, 25 décembre, je fais un concert pour les enfants. Mm-hmm. Et il y a des milliers de personnes. Et à l'époque, j'avais une chorale. Il y avait une chorale que j'invitais souvent. Et Chanel chantait dans cette chorale, mm-hmm. Les Anges Abyssés. Donc, voilà. C'est pour nous dire qu'il a vu toute petite, il ne peut pas sortir avec elle. Non. D'accord. Tu as déjà sorti, tu as déjà eu une expérience amoureuse avec un homme? Et donc, non, j'ai vu le quartier qui t'a vu grandir, voulait t'appuyer. Ça ne marche pas ici. Hein. Non, ça ne peut pas marcher. Non, mais ma question, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà eu une expérience amoureuse avec un homme? Non, jamais, mais je respecte les homosexuels. Ok. Parce que j'estime que c'est des êtres comme tous les autres. Mmh. Ils n'ont pas choisi de l'être. J'ai des amis homosexuels. Mmh. Moi, depuis que je suis petit, j'ai eu ces belles opportunités de croiser des grands hommes et de grandes dames. Okay. Vous savez, moi, j'ai chanté pour Michael Jackson quand j'étais petit. Ah ouais? Oui, j'ai chanté pour Michael Jackson. En live, j'avais 13 ans, 14 ans. J'ai chanté pour lui pour un concert privé. Okay. J'ai chanté pour Nelson Mandela. Wow. Okay. Ah, mais il a un beau parcours, hein? Bien sûr, donc, c'est une grâce. C'est la grâce que Dieu m'a fait. D'accord? De rencontrer et de pouvoir côtoyer les sommités de ce monde.
Ce n'est pas pour autant que, parce qu'on fréquente une sommité de ce monde, qu'on va faire des choses malsaines. Il faut qu'on arrête cela. C'est clair. D'accord. Après, c'est les Congos, ça, et les voilà. Comme on dit, là, les comme on dit chez moi, c'est le Chinois, la caravane passe. Voilà. Et tu es là en Côte d'Ivoire pour combien de temps? Je suis là encore pour une dizaine de jours. Mmh, et puis après, je repars dans mon pays. Est-ce que tu as mangé le plat local? Oui, j'ai mangé, comme là, ça. Il y a un plat qui est... Atcheke, j'ai mangé ça depuis. C'est pas de ça que je parle, là. Ah. Je suis pas en train de te demander si tu vas manger des mets ivoiriens. Je te parle du plat local. Oui, mais je vois de quoi tu parles. Voilà, le plat local. Non, j'ai pas encore goûté. T'as pas encore goûté? Oui, j'ai peur des sorciers. Et bien, quand tu vas déguster le plat local, tu tireras plus au gars. Non, j'ai peur des sorciers, j'ai peur de coquillisia. Je touche la femme d'autrui. On n'a pas le problème. Non, non, dis-moi, tu ne peux pas te donner. Je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire pour ça. Ouais. Donc, tu n'es pas dans le système du pain d'autrui, là? Non. Il n'a pas encore dégusté un pain d'autrui. Je veux pas qu'on me lance. Parce qu'apparemment, c'est la mode en Côte d'Ivoire, le fusil nocturne. Ici. Il y a le fusil nocturne. Oui, il y en a. Ah, je veux pas qu'on me lance un fusil nocturne. Ah, ici, il y a les bombes. C'est pas fusil, il y a les bombes nucléaires nocturnes. Je veux même pas qu'on sache où je reste. Nous, on va découvrir ça. C'est pas un problème. C'est Fafa. Alors, Jude, tu sais, tu as vu un peu le principe de l'émission. Fafa, c'est une émission vraiment sans détour, à polémique. On sort tout, tu vois. Et alors, quel est le message que tu peux porter à la Côte d'Ivoire? Ceux qui te découvrent, il y en a déjà qui te connaissent, bien évidemment. Ils te connaissent maintenant. Hein. Ceux qui te découvrent, et tout, quel est le message que Jude lance au niveau de sa carrière? Ben, je viens de dire aux frères, à mes frères de la Côte d'Ivoire, que je suis venu me présenter à vous. Je suis Arnold Jude. J'ai un attachement particulier pour ce pays parce que j'étais ici dans mon enfance et j'avais à cœur, pour la célébration de mes 30 ans de carrière, de venir vous dire bonjour à Kouaba. Voilà. Pour vous donc présenter. C'est nous qui te disons à Kouaba. À Kouaba, c'est comme ça. Hein? Oui, c'est voilà, nous qui te disons à Kouaba. Et moi, je vous dis à Yoka. Voilà. 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 Nous, à Kouaba, ça veut dire bienvenue. Voilà. Donc, moi, je dis à Yoka. Voilà. Donc, vous dire merci de m'aimer, de me porter dans votre cœur. Je pense que j'ai une place pour me faire une petite place dans vos cœurs. Et puis, je pense que ça va bien passer. Ça va bien se passer. En tout cas, si tu es avec Guillermo Mbourou, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce qu'il connaît tout le gratin. Ça, on va se dire les vérités. Guillermo est très connu dans le milieu, donc je pense que tu es un très bon guide ici en Côte d'Ivoire. Alors, ok. Merci, Chola. J'ai fait mes big up. Notre émission prend maintenant fin. C'est fut un plaisir et un honneur de recevoir Arnold Jude depuis le Gabon. Nous saluons toute la population du Gabon. Depuis le Fafa, vous que nous suivez, parce que je sais que Fafa est beaucoup suivi au Gabon. Ouais. Voilà, on a beaucoup de retours concernant cette nation. Ouais. Et que Dieu bénisse le Gabon. Alors, big up. Alors, s'il te plaît, avant de partir, je voudrais. On va dire une minute de silence. Quand on dit faire une minute de silence, on ne fait jamais une minute. Hein. Non. On fait peut-être trois. Trois secondes. Voilà, parce que dans mon pays, on vit un drame en ce moment. Il y a eu un naufrage. Un bateau qui a coulé. Un bateau qui et a on coulé. A perdu de nombreux Gabonais, donc nous sommes en deuil. Voilà. Deuil national. Voilà. Hein. Donc, okay. Je voudrais qu'on fasse une petite seconde de silence, d'accord. S'il vous plaît. Merci. Pour respect. Alors, donc, merci du côté du Gabon. Big up au père Sidney Yoboué depuis ta position. Merci aussi à mon beau qui est depuis le Gabon aussi, monsieur Camara. On est ensemble. Merci à tous. Merci à Kangala le berger, Ange Bleu le cultivateur. Sans oublier la boutique de vêtements certifiés chez K du côté de la 7e tranche. N'oubliez pas, le S-Club est ouvert, votre restaurant qui vous nourrit et où on ne mange pas. Le seul endroit. Là, disons 8e tranche. Oui, c'est 8e tranche. Ok. N'oubliez pas les rendez-vous, du S-Club, le seul endroit où on ne mange pas. Mais on se nourrit du côté, c'est le S-Club qui a la 7e tranche. Voilà. Wow. Big up à Franck Mian. Big up aussi au bazar de Versailles du côté de Bakoré Ramblais chez Franck Kaka. Big up à mon PDG Pierrot. Merci à tous ceux qui participent de près comme de loin à l'évolution de cette émission, qui partagent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et surtout, n'oubliez jamais de sortir couvert. Franck Mian. On est ensemble, champion gros grain. Eh bien, Fafa, c'est terminé pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Merci à Diva Glam, collection qui m'a habillée. Et surtout, je fais un big up à ma belle et grande commune de Diabo. Merci à Arnold Jude d'avoir répondu présent à notre invitation. Tu viens quand tu veux, c'est chez toi. Voilà, on va te trouver un bon pain croustillant. Et puis voilà, tu vas déguster les mets locaux. Voilà, c'est très, très bon. Ok. Voilà, merci à toi, le S des Palais. Les mets locaux comme à locaux. Voilà. Voilà. Je serai du côté c'est très bien. Mmh. Je serai du côté du S Club ce vendredi, voilà. Et puis merci tu à Soko. Là-bas. Exactement. Mon plat là.
Hein, le poulet au Sobuko. Merci. Trop oui, bon. Au riz quand on est. Trop bon. Merci à Soko, merci à Stéphane Aka qui est à la ouais, production. Bien sûr, voilà. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine, surtout restez couverts entre vous et nous. Ce sera toujours Fa. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.